Bonjour à tous, bienvenue sur Arkylon Model Kits. On se retrouve pour la deuxième vidéo de montage de l'AML90. Donc vous voyez, le travail sur la tourelle a commencé, vous l'avez vu en introduction. Donc je vais refaire un rapide point quand même, enfin pas si rapide que ça, sur cette partie-là, puisqu'à la limite ce serait le seul défaut que j'aurais donné, pour le moment à cette maquette. C'est ce qui concerne plutôt la notice et les modèles de référence qui sont présentés, c'est pas forcément super clair. Donc là, on est arrivé sur l'étape 19 et 20. Donc déjà, là, si je vous fais un petit zoom, la première chose à faire, c'est de faire des trous à 0,8 mm dans les emplacements qui sont déjà prévus hein, sur le modèle. Il y a déjà des creux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez le choix, soit ils vous disent en 19.1 de percer les deux du bas, ou les deux du haut. Donc ça, c'est une référence à quoi? C'est une référence simplement à, si vous mettez sur le côté droite, l'espèce, alors moi je vais appeler ça de casque, hein, de casque qu'on a ici. Donc là, il faut faire les deux trous en bas. Et si au contraire, alors là pareil, il y a une petite erreur sur la notice entre guillemets, si vous voulez mettre un petit logement d'antenne qui est fermé de ce côté-là. Alors là, vous voyez sur la notice, ils l'ont carrément oublié, on ne le voit pas. Par contre, sur les vues du haut, on les voit bien figurées ici et là, en fait. Donc là, c'est vraiment, faut vraiment faire gaffe fonction du modèle que vous voulez faire. Et c'est comme il y a une petite benne à arrière qu'on voit ici également, elle est à mettre que dans une des configurations. Toutes les autres configurations présentées sur la notice n'ont pas cette espèce de benne à l'arrière. Alors voilà, c'est un peu le défaut, je trouve que juste de... Alors la notice est sympa, elle est à... le format est sympa, mais par contre sur les présentations de modèles de peinture, bon là c'est tout dark yellow donc ça va, mais sur les camos etc. c'est un petit peu petit, hein. On va vite voir avec la lunette loupe. Puis bon là je vous dis, il y a une petite erreur, ils ont oublié de le mettre. Donc là, il faut faire gaffe à ça et bien choisir de faire vos trous. Donc pour les trous, cela, pas de souci, y a la pièce qui va venir par-dessus et les masquer de toute façon. Donc moi, j'ai fait un trou bien droit avec une petite perceuse à main. Et puis après, gentiment, j'ai gratté avec le forêt pour descendre gentiment. Et j'avais déjà, j'ai déjà dégrappé ma pièce. Alors là, je sais pas où je l'ai mise, mais j'ai déjà dégrappé ma pièce. Et puis au fur et à mesure, je vérifie l'ajustement que ça soit bien plaqué. Et puis j'ai ragrandi au fur et à mesure. Donc là, vous prenez votre temps là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc sachant que sur le choix, moi c'est pareil. Là, vous voyez sur la notice, ici, ils disent de mettre... Donc soit le fameux casque en perçant les trous en bas, soit le logement d'antenne là qui est fermé. Alors j'essaie de zoomer un peu plus encore. Là vous voyez il est fermé, on peut pas mettre l'antenne. Donc moi par rapport au modèle que je suis en train de faire, alors c'est conforme à la notice, mais par contre par rapport au modèle que je suis en train de faire et aux images de référence dont je dispose, hop, en fait on voit clairement que l'antenne ici... Elle est sur le... Alors si vous mettez là dans la même vue, hein, elle est sur le côté gauche en fait de la tourelle. Et donc là sur la notice, eux, ils l'inversent complètement, c'est dans l'autre sens. L'antenne est côté droit et l'antenne fermée est... non, attendez, je me suis perdu. Si on se met en face du char, côté droit, il y a l'antenne fermée et côté gauche, il y a l'antenne ouverte, pardon. Donc moi, là, j'ai une inversion à faire. Hein, donc j'ai renommé sur ma notice que j'allais mettre le D49. Par contre, j'ai vérifié au niveau du canon par rapport également aux photos de référence. On est bien sur la config du 26-1 et pas du 26-2, où là, on a cette partie-là en plus. Et au niveau du canon, on a deux petites lattes ici en travers que moi, je vais pas mettre. Hein, moi, j'ai vérifié, elle est bien ouverte. Donc voilà, juste l'inversion des deux ici, et moi je mets pas le casque parce que je le trouve pas, et la petite benne arrière ici on la mettra pas, mais vous si vous vous référez à la notice, pour moi tout ce qui est en 25-2 23-2 avec le perçage, 26-2, 27-2 et enfin 19-2, ça va être uniquement pour le modèle qui est présenté en page. Alors pas les deux premiers, c'est juste pour le modèle israéli je crois. C'est bien l'Israeli Defense Force Latrun. Donc c'est le seul qui a la benne arrière et la configuration avec les doubles antennes. Donc moi en fait sur la version là des Malouines etc, c'est il y a un mix des deux. Donc là j'ai préféré prendre la photo de référence. Ensuite donc sur le montage, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu la petite partie ici, l'espèce de petit projecteur. Alors il y a une partie transparente à mettre l'optique. Donc au début je me suis dit bah sinon je colle et je mets l'optique à la fin une fois que tout sera peint, mais j'avais peur que ça rentre mal et que ce soit pas évident parce que là vous voyez c'est en deux parties. Donc je l'ai déjà collé. Alors en plus j'avais fait une bêtise, j'ai mis un petit peu trop de colle dessus. Donc à la fin l'optique il a été complètement recouvert de colle. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai d'abord poncé avec le petit verre là, donc ça a opacifié le verre
en plastique, mais ça a surtout enlevé toute la colle. Et après, j'ai repoli avec le blanc. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui a vraiment pas mal de brillance. Donc au début, je m'étais dit aussi, sinon, bah, je vais mettre du mascol maintenant. Après, je colle, mais je pense que j'arriverai jamais à enlever le mascol. Voilà, avec la pièce par-dessus, hein, ça, alors je vais avoir du mal à vous montrer, mais voilà, en gros, ça donne ça, donc ça va être compliqué. Donc plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais découper vraiment un tout petit bout de mousse, vraiment très fin, juste pour protéger un peu de la peinture, quoi. Hein. Sachant que c'est à l'intérieur, bon, voilà, ça va pas être ultra visible, donc voilà pour le petit projo. Et puis ça, je vais le laisser à part, parce que je pense que sinon, je vais le flinguer en faisant le travail de watering. Donc voilà, pour cette étape-là, pas de souci. Là, faut bien faire gaffe, ici, vous collez bien les deux picots, enfin les deux supports, là, d'attache. Vous les collez bien ici au socle. Vous en collez un d'abord, vous insérez votre pièce ici qui est le futur support de canon, et après vous venez positionner le deuxième support d'attache dedans, vous le mettez et après seulement vous le collez. Et surtout vous ne mettez pas de colle là au niveau, parce qu'après l'idée c'est que ça puisse, ça puisse bouger, on puisse bouger un petit peu le canon, quoi. Alors moi il est assez dur, j'ai mis de l'huile pourtant, mais j'ai vraiment du mal à le bouger. Bon, je compte pas trop le bouger, mais voilà, normalement il bouge un petit peu, quoi. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est pour ça qu'on ne le colle pas. Et après, pardon, oh là, j'ai du mal avec les zooms. Hein. Et après, concernant l'assemblage de tout avec le socle, voilà, c'est l'état comme, c'est super, ça passe nickel. Tout est pile poil ajusté. Moi j'avais juste dégrappé ma future pièce derrière pour vérifier, comme vous avez vu en intro, que par contre ça s'ajustait bien et qu'il y avait un. Voilà, pour vérifier, donc il n'y a pas de souci, ça sera nickel une fois que je vais bien le plaquer avec un petit peu de bande cache pour pas que ça bouge. Ça va être vraiment très très sympa. Donc voilà, toujours rien à dire. Voilà, je vous dis, hormis la notice avec les modèles présentés, c'est un peu petit. Et puis voilà, si par rapport à moi, à mon modèle, ça collait pas. Donc voilà, d'où l'intérêt de bien étudier votre notice avant de faire. Et puis d'ajuster au fur et à mesure. Donc ensuite, on va attaquer ensemble la partie 22. Donc je vais la faire de mon côté. Et puis on se retrouve après. Sûrement, je vais faire sûrement 22. Je vais faire sûrement 22, 23, 24 là. Et puis on va se retrouver pour cette partie-là. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de terminer la réalisation des étapes 22, 23, 24 et 25. Donc voilà, toujours pas de soucis. Je vais juste refaire un petit focus sur la partie 22 ici. Donc pour cette trappe-là, il n'y a pas de soucis. Ça marche bien, ça se colle bien. Vous suivez la notice, elle bouge parfaitement. On peut la refermer, la rouvrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, hein, de toute façon, elles seront présentées fermées. Et sur celle-ci, par contre, là, c'est moi, je pense, qui ai déconné. Je pense qu'elle a collé et j'ai du mal à l'ouvrir. Bon, puis je veux pas trop forcer au risque de casser. Vous voyez, j'arrive à l'ouvrir un petit peu, mais ça force, quoi. Donc là, sur l'ordre, moi, que j'ai fait, j'ai d'abord pris la pièce D3 et D2 et je les ai collées dessus, en fait, sur le couvercle. Et je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse, à mon avis. Montez d'abord tout le système d'attache directement sur le véhicule et après, vous viendrez coller directement votre petite, la petite trappe du dessus. Je pense que ça permettra de coller plus précisément et d'assurer la mobilité de l'ensemble. Voilà, bon, après, si vous voulez le présenter fermé, de toute façon, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire plutôt ma méthode. Moi, je sais que de toute façon, les deux, je vais les recoller après en dessous, hein, pour être sûr qu'elle bouge pas et que j'ai pas de soucis. Donc voilà, sinon, c'est plutôt sympa. C'est vrai que le fait de pouvoir l'ouvrir, si vous, voilà, mettez une figurine ou autre, ça peut être quand même sympa. Ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en point d'attention ici? Pour mettre les lances fumigènes là sur le côté, faites gaffe, mettez la pièce G2 avant là, le petit crochet. Qui est ici, mettez-le avant parce qu'après il y a un des tubes lance-fumigène qui passe dessus en fait, donc sinon vous allez galérer pour la mettre. Mais sinon, aucune difficulté, bien évaluer toujours les pièces, hein, les poncer, etc. Enlever la petite ligne de moulage tout autour, hein, donc on l'enlève bien proprement. On prend le temps de faire ça, c'est ce qui prend vachement de temps. Là, pas oublier la petite pièce D1 qui est toute petite, qui se colle ici. Alors là, c'est la seule pièce que j'ai trouvée du kit où vous n'avez pas de point d'ancrage pour la mettre parfaitement. Donc voilà, ils vous font quand même un zoom sur comment bien la mettre. Donc voilà, la notice est bien foutue. Ensuite, sur la partie 25, bah, toujours pas de soucis, sauf que moi, j'ai pas mis la D8, hein, je vous dis, hein, j'ai fait comme mes deux pièces de référence. Donc j'ai les deux mêmes pièces, une trouée qui accueillera une antenne. Alors par contre, l'antenne du kit, là, je sais pas si je l'ai, mais bref. Elle est vraiment toute petite et moi sur les photos de référence elle est vraiment très grande, donc ça sera l'occasion de faire une antenne en fil tiré, ce que j'ai jamais fait, comme ça on verra ça sur la chaîne. Et puis voilà, donc cette partie-là vous suivez tranquillement. Un petit point de vigilance sur les trappes, réfléchissez-y bien avant de le faire. Et puis bah là il va me rester plus que la partie canon.
le 26.1 dans mon cas. Et puis on aura terminé pour ce qui est du montage complet de l'AML 90. Donc là c'est déjà assez sympa hein, si on met. Alors faites gaffe aux manipulations, hein, je le redis, mais la petite pièce là, le petit arceau là, je l'ai recassé. Donc là pour le moment je ne l'ai pas réparé, je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que j'ai fini. Mais voilà, après quand on vient mettre la tourelle, ça commence à avoir franchement une sacrée petite gueule, ce petit AML 90. Donc écoutez, je fais tout le travail du canon. Sur le canon, il faudra faire gaffe, il est là. Il y a une petite ligne de moulage très fine. Alors je pense que je vais pas réussir à vous la montrer en vidéo. Il y a une petite ligne de moulage comme souvent sur les canons là tout autour. Donc on va bien travailler là-dessus pour la faire disparaître, mais bon, c'est la seule difficulté que je vois sur cette dernière étape. Donc je fais ça, à moins que j'ai un gros problème, je vous reprends, mais sinon je vous reprends une fois que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Le montage de l'AML 90 est totalement terminé. Donc là, je vous ai fait le petit montage avec la caisse et la tourelle. Donc sur la partie canon, honnêtement, absolument aucune difficulté. J'ai juste ressorti le petit flexifile que je me sers pour les avions, pour le fuselage, l'extra d'eau et tout ça. Là, ça marche pas mal sur le canon. C'est une bonne technique aussi. Donc le grain, je suis incapable de vous dire lequel c'est, mais j'ai pris le plus fin de ce que j'avais. Donc c'est la couleur marron. Voilà, donc ça marche bien. Faut y aller mollo par contre, hein, vous appuyez pas trop. On y va tout doux. Mais voilà, je suis bien fan de ce petit AML 90. Il est franchement sympa. Il a vraiment de la gueule avec sa tourelle et son gros canon là. C'est vraiment plutôt sympathique. Le niveau de détail voilà, est franchement plus que très honorable, c'est vraiment très très propre, toutes les lignes sont bien marquées, c'est vraiment très très joli, donc j'ai hâte de le peindre et de faire le watering dessus, je pense que ça va être vraiment vraiment sympathique. Donc voilà, sur le dessous, bon, il n'y a rien de particulier, hein, hormis tout le système pour maintenir les roues, ça j'avais juste mis un petit bout de pâte à fixe pour illustrer, hein, mais voilà. Donc très 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 bon kit, voilà, donc la question si c'est est-ce que je vous recommande ce kit de chez Tacom, eh bien absolument, je vous le recommande, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un super kit, ça se monte vraiment très très bien, et j'ai franchement pris énormément de plaisir à monter ce petit véhicule, je me suis vraiment beaucoup amusé, ça a été vraiment que de la détente et du pur bonheur, donc allez-y, Tacom, c'est ok, c'était mon premier kit Tacom, mais c'est vraiment super, j'en ai deux autres qui m'attendent, et franchement j'ai hâte... J'ai aucune appréhension quant à foncer sur ces kits-là. Donc voilà, sur la chaîne, là, on va faire une petite pause sur la AML 90. Ce qui va me rester à faire là, avant la prochaine fois, avant que je rattaque dessus, ça va être de reponcer un petit peu les petits points de colle qui va rester à 2-3 endroits. Vérifier qu'il n'y ait pas un petit peu de coup de beauty à faire, on avait dit surtout au niveau de l'intérieur des passages de roues. Voilà, tout bien revérifier. Après, il aura le droit à un nettoyage complet à l'eau savonneuse. Et puis après, je pourrai attaquer, je pense que la partie primeur, hein, ça sera le AK microfiller, comme d'habitude, je le ferai moi-même de mon côté sans le filmer, et puis on se retrouvera après cette phase là pour attaquer ensemble toute cette somptueuse phase de peinture, hein. Vous avez le camo qui est là affiché, donc ça va être assez sympa. Et puis la prochaine vidéo sur la chaîne, on va reprendre notre ami le P38F Lightning, voilà, avec beaucoup de plaisir aussi. Donc là c'est un peu moins simple, ça s'ajuste un peu moins bien, mais voilà, donc la prochaine vidéo c'est sur le P38, je vais m'attaquer à tout le montage de l'avion, hein, tout ce qui est possible de monter, et puis là après le primer, etc. Voilà, je sais pas où je m'arrêterai dans la vidéo, on verra bien. Sur ce, eh bien, merci une nouvelle fois à tous pour votre soutien, pour vos abonnements, pour les pouces en l'air. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.